Salut à tous, c'est Axel, et non pas Alex, et PJ, et aujourd'hui c'est une recette spéciale pancakes, c'est ça? Ouais, pancakes VG. Tu nous présentes un peu les ingrédients donc? Une banane, donc on peut remplacer avec de la compote si on n'aime pas la banane. Ok. Purée d'amande, donc 85 grammes. Pardon, ok, les quantités. 200 grammes de farine de riz complète, bicarbonate de soude alimentaire, les végétales après, c'est voilà. Ce qu'on aime là, c'est les d'amande et l'huile de coco. Ouais. Pour huiler la poêle. Ok, et donc tout ça c'est vegan, bien ouais. Sûr. Dis-moi, d'abord c'est la banane. Ouais, on l'écrase. Donc en gros, tu donnes les ordres et moi j'exécute. C'est ça? On essaie de la prendre plutôt mûre. Là c'est une petite, donc on va la mettre entière. Ok, d'accord. Donc j'écrase la banane. T'écrases la banane. Ça s'est écrasé là? Ok, ouais. Okay, n'importe, dans n'importe quel sens, il n'y a pas d'ordre précis. Okay. Okay. On te dit c'est la farine de quoi? De riz complet. Farine de riz complet. Le bicarbonate de soude. Alimentaire. Et le lait, c'est quoi les quantités? Bah ça dépend en fait comment on les aime, si on les aime plutôt compacts ou pas. Allez vas-y, je suis prêt. Dextérité. Gaucher. Prends le côté. Eh hey, mon gueule, prends le côté là. Ok, je vais t'attaquer. Ah. Donc pensez toujours en mettre un petit peu à côté. Voilà. Je suis vraiment une merde en cuisine. J'avoue, Alex Lignac il est meilleur. J'avoue. Vas-y, je te laisse faire un peu alors. Je vais donner les ordres, mais essaie d'accélérer un petit peu. Et plus fluide, tu vois. Prends bien les côtés. Ok, c'est pas mal. Ça va? Je vais bien, ouais. Un peu d'huile de coco pour aider la poêle. Ah, faut rajouter du sucre dans la préparation aussi, ouais. Pour que c'est un goût. Ou de la stevia. Et putain, c'est long pour enlever les grumeaux. Mais ouais, mais c'est pas mal. Elle est exactement comme quand je l'ai laissé. Non, non, non. Tu peux filmer, il y a coco. On pourrait comparer. Vraiment, elle est exactement comme je l'avais laissé. Elle a fait seulement de mieux. Elle a dit, oh là là, c'est pas mal. C'est parti, premier pancakes, donc. Elle a souvent dit, raté, voilà, Axel elle a dit, bon le premier est souvent raté, je vais lui montrer le contraire. Elle m'a aussi reproché d'avoir mis trop d'huile de coco. Ouais. Ok, le premier est souvent raté. Vous donnez un peu des goûts, mais je pense qu'elle a raison. Bon, j'avoue, celui-là il va être bon parce qu'il y aura beaucoup d'huile. Là t'es en train de me le ruiner quand même. Non, il était pas mal. Ok, petite astuce, quand vous avez les petites bulles, vous pouvez le tourner normalement. Non. Quoi? C'était fait exprès gros, c'est pour partager en deux. Ah d'accord, merci. Il donne envie de pancakes ou pas? Non mais je pense qu'il est pas raté, c'est juste... Ah, il a une sale tête, mais il est très bon. Ok, deuxième essai, j'ai essayé d'en faire un petit. Là vous avez kiffé. Il est presque rond. Quand c'est pas bien, elle me le dit. Quand c'est bien, elle dit rien. Tu peux dire qu'il est bien là? Il est beau. Vous n'avez pas envie celui-là? Ouais. Et après vous l'agrémentez, soit la stevia ou un petit peu de confiture si possible à l'effet, des fruits bien sûr, des framboises par exemple, des rouges. Ok, je vais montrer maintenant, c'est à Axel de montrer. Déjà elle est mal partie, vous voyez là, il y a beaucoup trop de décrochage, c'est pas du tout rond et il est trop gros. Pourquoi il est trop gros? Je préfère un peu plus petit, tu vois, toi, en manger plus. On comparera après mais je pense que May est un peu mieux fait. T'as triché, je peux tricher un peu? Ah, c'est pas mal, Tu vas voir. J'avoue, c'est pas mal. Alors. J'ai un peu déçu, mais c'est pas mal. Et voilà pour ces pancakes au top. Donc, merci Axel. Mais de rien. Vous la retrouvez sur tous les réseaux sociaux, vous avez tout ça en barre d'infos. Je fais des vidéos yoga, recettes. C'est ça. Donc voilà, on va goûter ça, mais je pense que c'est plutôt bon. Donc, c'est parti, on va goûter. Je coupe en 4. J'imagine que Jacopo t'en veut. Oui. Toi aussi. Donc ça fait à peu près 10 pancakes, donc ce qu'elle disait Axel c'est pour 2 personnes. Merci. Et après vous allez monter comme vous voulez avec des fraises, des fruits rouges, stevia si vous voulez mettre un peu plus, un goût sucré. Il est pas magnifique. Toi, la banane. Celui-là c'est moi qui l'ai fait. C'est le tien celui-là. Non. C'est, en fait le sien c'est ce qui est raté au fond là. Non franchement c'est super bon. Très bon. Je vais le refaire, ça m'a l'air assez simple, je regardais un petit peu, je vais superviser là de loin. Ça m'a l'air bon. J'ai réussi donc je pense que c'est assez simple. Tout le monde peut le faire. Après, je vous laisse, hein. C'était le meilleur moment de la vidéo, j'étais là. En tout cas, on vous dit à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche. Pour voir la dernière vidéo femme, cliquez ici. Et pour voir toutes les vidéos femmes, cliquez ici.